Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre quelques systèmes Redstone très simples, hein, tout simplement qui vont vous permettre de gérer le monde là. Pas de créer un arbre comme si derrière moi, si vous vous démerdez, vous allez planter, vous allez en récupérer dans la forêt, ok? Est-ce que j'ai été clair? Tenez, c'est quoi la suite du programme? Je regarde. Et ok, ça fait toujours la plaisir. Donc on va commencer tout de suite par le système numéro 1. Je sais compter. Donc, je vais vous apprendre à mettre le jour en boucle. C'est très simple. On va prendre un petit panneau solaire, un petit merdier comme ça, une lampe de redstone. Très le bug. Une lampe de redstone et on va faire un petit give. Cache give. Maxim flame. Non. Alors tout simplement, c'est l'idée 137. Mais en vanilla, elle est, c'est pas comme ça en fait. En vanilla, alors normalement la commande va s'afficher sur votre écran. Et parce que à place du 137, hein, parce que c'est différent. Hein. C'est tout simplement différent. Voilà. Donc, alors, on nous faut aussi ça, des blocs. Là. Voilà, ça c'est cool ça. On va mettre un petit bloc comme ça là. Et salut, il fait jour. Salut, c'est fait jour, la plaisir. Ne me demandez pourquoi ça et pourquoi ça. Pas l'arbre, c'est la déco. Ça aussi. Mais ça, je sais pas qu'est-ce qu'il a branlé, il s'est connecté ce matin. BD. C'est quoi ça? Ah oui, c'est un fail. Ouais, c'est pas grave. Alors, on va tout simplement commencer par mettre un petit. Répiteur. Hop. C'était là, on le fait en hauteur, toujours en hauteur, toujours. Ça fait toujours de plaisir. Hop. On met comme ça. Le système est compact. Donc on va faire slash. Faut pas oublier le slash. On met bien ça pour voir. Time 7-0. Ok. Comme le serveur est. Enfin, ça c'est pour les trucs en vanilla. Tout ça. Ça fait toujours de plaisir. Et là maintenant, on va faire slash. Night, enfin ça c'est. Voilà, bah direct le jour. Voilà, vous avez pu le voir, hop, et hop. Le système est un système extrêmement rapide, hein, parce que moi j'avais fait un système avec plein de pistons, ça faisait. Et quand c'était la nuit, on voyait plein de pistons dessus, et hop, le jour. C'était stylé. Bref, voilà, premier système, on va garder ça parce que c'est toujours utile. C'est toujours utile. Alors ensuite, il y a le système, un système très simple. Hein. C'est un système pour faire chier les joueurs. C'est-à-dire, on va mettre ça là. On va le mettre mid redstone en repeat. On va commencer par une commande qui est très simple. Alors je disais, on va commencer par une commande qui est très simple. La voici, comme j'ai la flemme, on va faire execute @p. Le joueur le plus proche, on peut mettre @a. Detect lava. Voilà, on met ça là pour dire que c'est la position de n'importe où à n'importe où. Et là, en fait, lava, machin, c'est pour détecter si le joueur va dans la lave. Alors là, on va mettre 0, c'est-à-dire dès qu'il entre dans la lave, il y a 0 secondes. Et là on va faire kill le joueur le plus proche. Toujours le joueur le plus proche. Donc on va commencer par un truc qui est très simple. On va mettre ça et on va mettre un levier. Voilà. Enfin c'est le beurre. Ah non, ça lag. Regarde la console. Donc on va mettre de la lave pour bien vous prouver. Regardez. On va mettre ça là. Et dès qu'on va dedans, bah, on ne crève pas. Je suis bien créatif. Hein. On va l'activer. Hop, et je crève. Et après, un spam du chat. Voilà. C'est-à-dire que je ne vois plus du tout ce qu'il y a dans la console. Hein, la console est complètement niquée là. Et, du coup, c'est pas grave. Donc, voilà la commande. Ça peut faire chier les joueurs. Et là, je peux de nouveau y aller. On peut remplacer par water. Pour l'eau, c'est aussi marrant. Bon, et ça c'est le deuxième système.
Hein, je vais lui dire attention, pas y toucher. Voilà. Ne pas toucher. Non, c'est mieux ce que je viens de faire. Pas touche ou je te trois petits points. On va laisser libre à l'imagination. Je sais pas du genre qui dit. J'hésite à en mettre partout comme j'ai fait pour l'ASC. Ok, c'est pas grave. Ouh, c'est stylé. Pardon. Donc, désolé pour ce texture pack hein, pour le moment, parce que pour optimiser les FPS, parce qu'il bouffe des FPS mon texture pack de dab. Attendant qu'il y a un autre PC, hein. Il n'est pas prêt d'arriver. On va jouer comme ça. Donc, alors disais-je. Troisième système redstone. Ça fait toujours le plaisir. On va regarder tout de suite ce que c'est, hein, parce que quand même, ouais, j'ai oublié, hein. Oui, c'est marqué sur toutes les feuilles, alors t'as un problème. Je me vénère, oh, j'arrête. Je me dis, ah merde, j'ai déchiré une feuille. Merde. Bon, tout simplement, mettre, c'est pour la pluie. Voilà, c'est pour la pluie. Je regarde les instructions. Ok. Oh là là là, qu'est-ce qu'il m'a mis comme feuille, genre. Ah là là, j'ai qui m'a mis une feuille hier, là là, ça a rappelé des souvenirs, hein. Ouh. Les souvenirs, plan à 3, j'ai quand même. Donc on va faire le système avec, là-bas, parce que je sais pas pourquoi tu t'éloignes. On va tout simplement en stage div, TFM, 137. On va reprendre tout ce qu'il faut là, on va prendre un peu de vie parce que ça va être pire. On va tout simplement mettre là, point de bloc comme d'hab. On change pas, c'est un truc avec des commandes blocs, on change pas. Pour ceux qui n'ont pas de truc, je vous apprends une petite astuce, peut-être que vous connaissez pas. Si la reste est allumée, elle va allumer ce bloc là. Okay. Et là, pas là. Voilà. Instant info. Bref. Alors on va tout simplement utiliser pas de. Je vais essayer de faire sans répéteur. On va faire ça là. C'est cool. Non, juste un là. Donc on va mettre ça là, on va mettre un comparateur. C'est cool, quand même il n'y aura pas de la résistance tout le temps. Donc on va mettre ça là. Là on va mettre un petit wagonnet. Normalement avec un coffre ça passe, c'est pas bugué avec un coffre. Avec pour le doute on va mettre ça comme ça. On va mettre là. Et on va tout simplement mettre
un item qui risque pas de se trouver en double. Voilà celui-là. Enfin, qui risque pas. Il en pousse, dégage, bâtard. Mais là, normalement, il a récupéré sur moi, je sens même pas. D'accord. Bon, on va voir s'il va s'activer un jour. Ah, ça, oui, il s'est activé, il s'active, il s'active. Et hop, voilà. Donc, on va mettre CH Wazer Clear. Comme c'est, hop, et on va simplement mettre la commande dedans. Et hop, voilà. C'est ce système, il vous clear la pluie H24. Là, normalement, on va avoir un petit clair pluie. Weather Clear. Non, bâtard, merde, il est tout cassé. Ben, je crois que c'est tout simplement pas possible de ne pas utiliser un espèce de repeater. Parce que tout simplement le bluff en fait, enfin ça va, ça. Le courant de Redstone n'est pas assez fort. Voilà pourquoi. Du coup on va quand même l'utiliser. Normalement ça devrait passer là. Allez. Cool. Weather Storm. On va le mettre combien de secondes? Weather Sun. Ah merde, il faut mettre là. Flat 01. C'est pas en majuscule, c'est pas grave. Flat 01. Duration, on va le mettre 5 minutes. Non. On va le mettre 1 heure. Allez, hop, on met 3 minutes. Oh, ça fait bien. Allez, dépêche-toi. Allez. Voilà, là, 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 il fait pas beau, il fait pas beau. Allez. 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 Et ben voilà, c'est magnifique. On est enfin réussi. C'est cool, cool. Et pour y amener par notre ami Cicero. Cool, bon bah du coup pour laisser trois systèmes avec un commande bloc, hein, bah, je retourne dans mon arbre. Salut, ça fait toujours plaisir. Genre, on enlève tout ça, on va prendre ce petit papier qui fait plaisir. Et puis moi je vous dis. Attends, c'est quoi déjà le mot de fer? Putain, c'est de la merde! C'est de la merde, ça pue, il n'y a pas marqué. Bon, à la prochaine. Allez, salut.